Bonjour tout le monde, aujourd'hui à nous dans la quatrième vidéo dans la série vidéo qui vous montre qui j'en pour faire un site web. Dans la première vidéo, nous avons parlé de qui ça qui est un site web. Ça veut dire que même si vous êtes nouveau, c'est important pour regarder la première vidéo pour connaître qui ça qui est un site web. Et dans la deuxième vidéo, nous avons parlé de qui j'en pour capable différencier un site web. Et dans la troisième vidéo, nous avons parlé de qui ça qui est un domaine. Parce que nous connaissons besoin de tout le bagage au pied devant. Nous allons vous montrer faire un site web pour entreprise ou pour capable vendre produit sous l'île ou besoin de tout le détail. Et dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de qui ça qui est un serveur. Pour gagner un website, c'est important en pile pour gagner ça créer un serveur. Alors, sous ta main compte qui ça qui un serveur. Ensuite, en différents types de serveurs, rebrancher n'a tourner dans quelques secondes. L'autre fois encore bon retour ou même si vous faites venir sur channel ça pas oublier faire bouton subscribe là et ensuite activer bouton notification sur channel ça nous poster contenu qui permet tout faire l'argent sur internet nous partager série vidéo montrer aux qui gens capable faire l'argent sur Facebook qui gens capable faire l'argent sur YouTube n'a pas annoncé que nous avons un challenge sur Twitter qui permet monde gagner 1000 abonnés sans que li pari dit tout temps fait partie challenge Twitter ça va écrire moins sur Twitter ou va regarder ou après username moi là qui s'est sorti les mi ou va prendre dire yes ou pas besoin de dire ça ou pas besoin de dire comment ou va prendre seulement écrire yes et puis m'a mettre dans liste là pour pas perdre du temps. Voilà, tout de suite on va entrer dans qui ça qui est un serveur. Serveur aller tout partout. On interagit avec les sans rendre compte. Actuellement, on va regarder une vidéo sur YouTube, c'est la vidéo à héberger pour regarder. Il y a un pile bagarre pour pas faire sans un serveur. On prétend qu'on visiter un site web par exemple YouTube, on va visiter Facebook, on va visiter toute journée application Facebook, on va interagir ensemble avec lui. Eh bien, il y a un serveur qui fait communication ça et ensuite qui fait connexion ensemble avec téléphone, tout ça honnête. Tout journée on va interagir ensemble avec ça qui est le serveur mais pour job ou par connaît qui ça qui est un serveur. Mais je dis à nous parler décortiquer ça qui est le serveur en détail pour comprendre ni bien. Eh bien, serveur est sur un computer qui fournit données ou sinon service par un autre ordinateur à travers internet. Par exemple, téléphone ou qui sont un petit computer, les capables un serveur parce que il y a un système d'exploitation qui a mis sous les capables rendre fourni information avec un autre computer. Eh bien, ça veut dire qu'ils sont un serveur. En cas, c'est exemple là bien. Nous parlons dans un restaurant, nous avons un serveur. Serveur qui ça lui fait, il a pour prendre un service. Par exemple, ou commander ou manger. Serveur là, il a liste manger ou il garder pour est-ce que manger ça disponible dans menu? Eh bien, si manger ça disponible dans menu, et puis libre à manger ça, et puis libre pour te le servir bas ou non plateau. Eh bien, dans la vidéo qui va venir très prochainement, nous allons montrer qui j'en et un site web fonctionner pour qu'on comprenne ça plus bien. Eh bien, c'est concernant serveur là, les mêmes, ou mettez site web là sous serveur là. Eh bien, il y a un monde qui vient faire communication ensemble avec serveur là. Les livres requêtes, il y a un bagage ici, données à disponible sous serveur, eh bien, serveur à prendre longer balé. Par exemple, si vous cherchez une vidéo sur YouTube là, si vidéo n'est pas disponible, serveur YouTube là, abdou que vidéo n'est pas disponible, c'est même gens tout prêt non restaurant ou vinn mande on manger manger a té là fini et puis ou vinn mande yo dit que pa gen encore ni c'est même genre tout ka paraît sur YouTube ou té ou en vidéo ou tourner vinn des vidéos YouTube dit erreur qu'il pas une vidéo ça encore ça veut dire vidéo ça lité là c'est vrai mais mettre li gen droit facile ou bien YouTube gen droit retirer pour droit d'auteur tout ça et mais c'est peut-être ça nous te fait vidéo qui te parler sur ça qui te relé domaine et bien nous te parler de domaine nous te parler des IP dans l'autre vidéo sous poko ou regarder vidéo ça li important ou pour aller dans section vidéo et puis ou pour aller dans ça qui relé qui ça qui est un domaine qui gens ou capable acheter pour site web mais nous pas passer sous domaine dans vidéo ça n'a parlé là c'est peut-être ça nous fait 10 minutes nous t'a parlé des domaines serveur aller communiquer ensemble avec l'autre computer avec ça qui relé IP a et bien dans vidéo ça nous autres parlons là nous parler des IP encore computer pour là les communiquer ensemble avec serveur grâce avec ça qui relé IP dans prochaine vidéo nous pas venir parler de ça qui relé en DNS pour comprendre bien qui gens transformation en fait mais nous pas aller plus loin pour pas bouiller dans ça parce que ça nous veut connaître c'est connaître que serveur aller son computer les là pour fournir données ou sinon service par l'autre ordinateur à travers sa qui est internet. Ensuite, nous voulons connaître tout que nous capable gagner un serveur virtuel ou bien capable gagner un serveur physique. Un serveur virtuel c'est leur créer plusieurs instances serveurs dans un serveur physique. Eh bien, un serveur physique c'est ça qui dans centre données ça les data center. Eh bien, c'est eux-mêmes yo configurer li. Je vais regarder li là. Nous pas parler en trop détail. Si besoin de plus de détails à continuer faire recherche avec ça nous boyo là au kageta faire recherche. Nous voulons mot ça que vous toujours tendez qui c'est hosting là en anglais hébergement en français, ça ou nous voulons plus accentuer sur aujourd'hui. Hébergement ou bien hosting, selon Jean qu'on entendait là, eh bien, il voulait dire côté données site web pour le chita. Par exemple, moi pour aller héberger site web, il avait dit moi pour le mettre le chita en côté. C'est une façon les gens viennent visiter ce site là pour le capable pour eux. Par exemple, si moi héberger site moi sur un serveur, les gens viennent les jeunes. À partir de aujourd'hui, on connaît que c'est un serveur site web chita. Eh bien, ou même qui est à nouveau qui par connaît qui ça qui est un site web qui fait venir sur channel long, nous avons une vidéo sur ça encore qui parle de qui ça qui est un site web. On
une façon pour pas troubler, pour pas poser question, dit qui ça qui ont site web, nous pas ca répondre genre des questions ça ou là, ou pas obligé à regarder vidéo ça qui parle de qui ça qui ont site web. Le pas acheter un serveur ou gain plusieurs choix, ou gain choix physique, ou gain choix serveur dédié, ou gain choix serveur privé ou bien ça relé VPS là. Ou bien choix serveur partagé. Nous parlons bon avantage ensemble avec ça qui est les inconvénients chaque choix ça là. Pas oublier nous dire que serveur à l'issue un computer. Eh bien même j'ai ordinateur pour là, les besoins mémoire, CPU. Eh bien même j'ai tout ça veut dire là où est que serveur ça a tout les besoins toute bagaille ça. Par exemple pour moi même musique sur computer non pour moi tes vidéos moi besoin à 10 c'est là c'est sous stockage ça fichier ça pour le stocker. Eh bien serveur là le besoin espace ça a tout. Eh bien pour machine moins performant pour le capable foncer des bagailles m'a besoin pile mémoire m'a besoin pile CPU. Eh bien c'est même gens l'ont pas acheté un serveur ou doué connait qui gens ont acheté un serveur en façon pour qu'a bien acheter pour site web parce que quand fin acheter un serveur et puis les monde visiter site web ils ont page blanche et bien puis devant dans prochaine vidéo qu'a venir encore on parle moto qui gens capable acheter un serveur mais dans vidéo ça n'a seulement parlé des avantages ensemble avec inconvénients chaque grain serveur ça serveur physique là vous te dit déjà c'est ou même sous ta aimer gain propre serveur là car en façon pour gain tout à fait net on bail privé ou capable acheter un serveur qui pour faire toute installation ou capable acheter un serveur dédié un serveur dédié capable acheter le virtuel tout. Un serveur de Dieu c'est là ça ou sous serveur pour compte ou capable acheter un VPS tout. Son petit serveur privé, il pas dédié, il c'est un instance serveur dans ça qui est le serveur physique là. Ou capable acheter un service partagé. Service partagé est bon pour petit business, pour monde qui fait à débuter dans ça qui est faire site web ou pas gagner un pile l'argent capable acheter un service partagé pour petit crash comme pour commencer faire site web. Par exemple, website nous pas le faire dans vidéo ça qui va venir là. Sur un serveur partagé n'a fait. Mais ça pas veut dire que nous pas montrer qui gens pour acheter serveur dédié ensemble avec serveur privé. Ensemble avec serveur physique. Nous parlons de faire toute bagaille. Quand nous allons parler de serveur partagé. Serveur partagé, il y a même qui avantage gain. Avantage gain, il y a bas prix. Nous connaissons tout ça qui bas prix, il n'y a pas fin en forme. Serveur partagé, il y a un point en VPS, il installe six panels et puis il fait plusieurs accounts et puis il y a 20 accounts. Vous pouvez commencer à créer site web, vous pouvez commencer à faire petit cob, mais là, le website a commencé à gagner 4, 5, 600 000 personnes commencé à venir, le website a commencé à tomber, le pouvez demander pour upgrade site web là en façon pour prendre plus. Instance. Eh bien, laissez-moi vous dire bon, vous pouvez traverser dans ça qui est VPS ou bien vous pouvez traverser dans un serveur dédié ou bien vous pouvez dire bon, vous pouvez faire un data center, moi là, quand même, j'ai Facebook, même j'ai ensemble avec Google. Eh bien, puis devant, nous pouvez tout bagage. Eh bien, ça, nous voulons comprendre aujourd'hui, nous voulons comprendre que notre serveur, c'est un computer capable de fournir données aussi dans service avec l'autre ordinateur à travers ça qui est Internet. Nous disons un serveur capable virtuel ou sinon physique. Et nous disons encore que vous avez 4 choix pour acheter un serveur, ou capable acheter un serveur dédié, ou capable acheter un serveur physique, ou capable acheter un serveur privé et virtuel. Ça ou le VPS ça ou capable acheter un serveur partagé. Ensuite, nous bon chaque avantage ensemble avec inconvénient qui gagne. Dans la prochaine vidéo, nous parlons de qui gens ou capable acheter un serveur pour capable héberger site web et même connecter serveur ça ensemble avec ça qui est un domaine dans la prochaine vidéo. Pas oublier subscribe et ensuite partager vidéo mes amis, ça t'a fait un pile plaisir. Au fin de la vidéo, de vous satisfaire, partager vidéo en façon pour qu'on couvre plus monde. Merci d'avoir croisé dans la prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.